Voilà, on va encore se détendre. L'esplanade de la piscine du fleuve Congo Hotel a servi de cadre pour la première édition de Cheetah Spirit organisée par l'élite de la nouvelle ère africaine et Néa Club en vue de développement des Africains. Images et commentaires. La première édition Cheetah Spirit appartient désormais à l'histoire. Cette grande rencontre des talents RD congolais a été organisée par l'élite de la nouvelle ère africaine avec comme objectif de présenter des projets de développement dans divers secteurs prometteurs. L'ENEA Club compte ainsi promouvoir l'émergence d'une nouvelle génération afin de garantir un avenir meilleur en Afrique. C'est une réussite, hein. On déplorait effectivement quelques absences, mais effectivement c'est une réussite par rapport à toutes les activités qu'on a eu à mettre en place. On peut quand même dire qu'on a fait un gros effort par rapport à cela. La particularité, c'était effectivement, hein, vous avez vu au départ, on avait eu ces artistes locaux là, qui ont fait une chorégraphie purement africaine. Donc ça a été vraiment une réussite par rapport à cela. Cette soirée riche en couleurs a été agrémentée par plusieurs artistes de la République démocratique du Congo, dont Koffi Olomide et son groupe Quartier Latin International. Des prestations qui ont donné suite à la présentation et au vote des projets des 18 candidats présélectionnés quelques semaines avant par le jury des NEA Club. Je veux dire concrètement la manière la plus simple, c'est-à-dire qu'on a un esprit sain, d'accord, dans un corps simple. C'est la définition la plus simple qu'on puisse avoir par rapport à ça. La prochaine étape, si tout se passe bien, ce sera Brazzaville et après certainement Libreville. La soirée s'est soldée par la remise des trophées aux élus. D'ores et déjà, les organisateurs annoncent l'organisation des prochains rallyes dans d'autres capitales africaines, dont Pointe-Noire et Libreville.